Elle, ça va. Ouais. T'étais un mélange de quoi, toi? Pacatou, brésilien, bizarre. Ah, c'est toi la Carconigo? prostituée que j'ai vue au bois de Boulogne. C'est vrai, je m'en rappelle. Tu donnais ton cul pour amener des sous à ta mère. Ah oui! Bon, va falloir que t'assures. Attends, 2 secondes. Attends, parce que là, on vient de me mentir quand même clairement sur la marchandise. Attends, laquelle? C'est laquelle? Vas-y, monte. Chacha 31, vas-y, descends. Attends, je veux. Non, mais attends, j'espère qu'on se fout de ma gueule là avec cette appli. Parce que là, Non, non, t'inquiète, j'ai elles vu sont un vraiment profil, j'ai fidèles. cliqué, il y a eu une escroquerie là. On va ouvrir, Oh t'es pas non, prêt. oh non. Non, mais je te le dis. Ah ouais? Ah bah, il y a escroquerie. Moi, ouais, je veux bien y aller, hein, à votre place, les mecs. Je veux bien faire le premier front. Vas-y, clique. Ouais, t'es sûr, Ouais, mais elle est mignonne, elle est elle est jolie comme mignonne. tout. Vas-y, clique. Oui, Ok, excuse-moi. c'est un événement pour Non, parce moi. que si je suis venu pour draguer Pablo Escobar, c'est pas la peine, je te dis tout de suite. Mais clique ça en haut, Mais... qu'est-ce que tu fais? Tu me fous, toi? Tu fais quoi encore? Non, il est... C'est qui? C'est un pote à toi? C'est un gars chez lui. C'est un gars... On l'appelle Glandman. Tu me dis quand C'est il qui va? ce soir? Ah, je sais plus à laquelle des deux je dois draguer, du coup. Celle que tu veux. Bah je vais prendre... Ouais, toi? Salut? Ça Je va? réponds connasse. Ah, vas-y, je suis timide. Ça va? Ouais, super, super. Qu'est-ce que tu fais? Mais t'as vu, on est en live toutes les deux sur son live. Ouais, mais celle du bas, moi, enfin, je veux que toi, moi. C'est gentil. Est-ce qu'elle peut sortir sa tête? Je voudrais parler qu'avec toi. Ah non, mais c'est toi qui veux. C'est toi qui veux. Non, c'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Non. Non, celle avec le collier, avec l'alliance autour du cou. Voilà, oh pour ta putain, gueule. c'est moi. Eh oui, c'est toi. Kylex, Comment c'est ça va? toi, c'est moi, c'est vous. Hey, ouais, les gars. Il y en a un qui s'intéresse pas. Bah oui, pourquoi tu resterais toute seule? Hors de question, ça. Parce que c'est la life. Non, non, avec moi, tu resterais jamais toute seule. Ah bon? Bah oui. Je suis rouge comme une tomate. Ouais, t'es un petit peu en train de rougir, mais ça me plaît, moi j'aime bien ça. Ah, d'accord. Les filles timides. Non, mais si, je suis un peu timide, moi, je fais la grande gueule, t'as vu? Non, non, je vois. Bah écoute, j'espère une prochaine en tout cas. Et j'espère. J'ai fait des lives, alors ajoute-moi un favori. Impressionnant les mecs, impressionnant. Okay, Là j'apprends, là je regarde le pro. Je pensais que oui. toi et moi c'était pour la vie, Nicolas. Tu me déçois, mon. Tu me déçois. Ouais, vous rigolez, vous les deux derrière, mais c'est mon copain. Enfin, c'était mon copain, et il m'a quitté. Et je vois qu'il fait le con ici sur le vous. Nicolas, s'il te plaît, reviens. Je me quitte pas. Je vais faire des bêtises. Nicolas, je t'aime. Reviens, Nicolas, s'il te plaît. Madame, essayez de le faire revenir. Nicolas, je te tromperai plus. Je te ferai plus jamais une mauvaise pipe. Je te jure. Allez. Reviens, reviens Nicolas, je t'aime, je t'aime, je t'aimerai juste toute ma vie. Nicolas, reviens-moi, tu es le meilleur. Il y a mon ex qui est venu tout à l'heure sur le live, faut pas que t'en tiennes compte. C'est vrai qu'avant j'ai eu une histoire avec lui. Le mec? Ouais, j'ai eu une petite histoire avec Xavier, mais c'est fini lui et moi. Moi maintenant je veux goûter à des choses que j'ai jamais goûtées On a encore. pris ma mère, mon live. Tu vois? Mon live, oh, ils ont décidé que c'était sur mon live les gens. Et bon, non, vas-y, confessez un intime. Excuse-moi, attends, parce que comme je suis en train de draguer ta mère, je préfère être tranquille, possible de pas parler. Merci. Dans... Ah, t'es pas sa mère? Aujourd'hui, sur l'OVO, Ah, t'es nous sa meilleure avons un pote. couple de gays. Et il vient, il Tout essaie d'un coup, de discréditer. L'ex de Ça Nicolas. m'énerve! Ça me fait. Ça m'énerve! Ça m'énerve! Moi, à la base, je. Allez, c'est un délire entre Saint-Paris. Voilà, Saint-Paris. Y'a pas de Paris. Y'a pas de Paris, ok. Ouais, c'est bon. Mais ta gueule. Pas Paris, la vie de ma mère, c'est pas Paris. Allez, un autre. Il n'y en a plus en attente. Bon appétit! Bon, on les choisit pas en fait, ils se mettent tout seuls. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caressé. Mais c'est bien Skinny? Il fait peur lui. C'est qui? Attends, je crois que je l'ai reconnu, c'est Imbap! Déjà, je fais pas comme ça le chien, mec. C'est un singe là qui fait. On dirait un Mais c'est pas un chien, bande de connes, c'est un singe! Bah merci, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce que t'as dit! Je suis un singe! Eh oui, bah va rejoindre Tarzan! Oh là là. Non. T'as va ou quoi la femme là? Ma sale claque, t'as va ou quoi là? T'as va ou quoi la femme là? Oh femme. J'aime la femme. Ils seront jamais en couple. Va faire colloque. Colloque.
dans les jalets, mais la match, mais la match, mais la match. Non, mais pas le match. Salut Moulette. Ça va Nicolas? Ça va et toi? Ça va, ça merci. Pourquoi tu perds ton temps à discuter avec... Si les mecs ils mettent pas leur tête, c'est qu'ils sont moches. Perds pas ton temps avec ces gens-là. Le mec, il s'est filmé dans le noir. Tu sais bien qu'il va être moche, quoi qu'il arrive. Tu perds ton temps avec des moches. Et lui, là, juste avant, il a dit « Tes dents, elles m'éblouissent ». Qui dit « m'éblouisse » ?« M'éblouisse les yeux ». Mais ne viens pas si t'as pas révisé ton Becherel. Pardon. Ça a été mauvais. Mais non, Moulette, dis la vérité. Même toi, t'as perdu 1 minute 30 de ta vie que tu rattraperas jamais. C'est vrai ou pas? C'est un enfoiré. Alors qu'avec moi, tout de suite, regarde, ça fait que 30 secondes qu'on est ensemble, t'es déjà morte de rire. Je ferais pas mieux ce soir. Ah oui, non, parce que t'es vraiment un enfoiré, c'est pour ça que ça me fait rire. Ah, t'aimes bien les enfoirés? Comme ça, c'est moi, j'aime bien rigoler. T'aimes bien rigoler? Ouais, carrément. J'aime bien rigoler. Match moi, on va rigoler tout le temps. Ah, carrément. T'es quoi? Dis parce que tu m'as fait rire, je te mets un cœur. Dis ce que tu m'as fait gaver. Bah, c'est avec grand plaisir. Mais je reviendrai. Si je vois que tu parles encore à des moches ou à des gens qui n'ont pas révisé l'orthographe au lycée, je reviendrai te faire rire. Ok, c'est gentil. Il est hors de question que je te laisse avec des moches. Je suis là pour élever un tout petit peu le débat et élever un tout petit peu le niveau. Ah, c'est gentil, mais ça va. Salut Moulette, prends soin de toi, je t'embrasse. Hein. Merci toi aussi. Et un chapeau pour la racine. Non. Tu pourrais tout plaquer et partir avec toi. Tu pourrais tout plaquer et partir avec toi. C'est... Carrément. Ouais. Carrément. T'as des tricks yeux, t'as un beau sourire, t'as la joie de vivre, t'habites à Bordeaux. En plus, je suis pas loin, je suis à Mérignac. Ah oui, t'es pas loin de moi, effectivement. Ouais. Bah écoute, si Louis avec la perruque, c'est vraiment un génie. Tu vois, j'ai fait un effort. Je vais pas te prier non plus, mais. Mais je non suis lui... Alors lui. Nice. Bien, merci beaucoup. Et Nicolas, si tu veux qu'on se matche aussi, y'a pas de soucis. À tout à l'heure. Moulette, j'ai vu que t'étais friande des perruques. C'est le même problème. La vie de ma non. mère. Elle... Si t'aimes les gens à perruque, je mettrai une perruque. Il n'y a pas de problème. C'est avec toi, avec toi, ou sans avec la perruque. C'est quoi le mieux? C'est mieux sans quand même. En vrai de vrai, vous avez un problème. Perruque. Non, Moulette, juste une question. Tu m'as mis au même rang que l'autre mec avec une perruque horrible. Et t'as matché. Tu m'as matché et tu l'as matché. Je vois pas à peu près où est ton style. Alors, attends. Attends. Et en plus, tu rigoles aux blagues de Brahim Asloum là juste avant. Excuse-moi. Il était pas très drôle en soi. Tu vois? On est au lendemain de l'anniversaire de Charles. C'était pas hyper drôle comme van. Alors moi j'aime bien l'humour noir, donc du coup ça me dérange pas. J'arrive pas à me situer. Je sais pas où je me classe dans l'échelle des matchs. T'as matché l'autre horrible avec une perruque. Il avait 12 ans. Il se branlait sur son Becherel. Et toi tu me matches autant que tu le matches lui. Je comprends pas. Moulette, si j'ai aucune chance avec toi, dis-le moi tout de suite. Non mais viens, j'ai dû le matcher parce que j'ai dit une phrase. J'ai dit vu que tu m'as fait rire. Moulette, il me reste que 5 secondes. Comment je fais? Comment je fais? Je veux revenir. Me laisse pas. Frère, je suis un boxeur. Ouais, normal. Loulou, j'ai un gros pied. Tu fais comme ça, frère. Tu veux quoi? Enchaîne le sauce, Riri, David. Laisse-moi tranquille. Non, il est beau. Passe-moi sur au calme. T'es là, tu veux me charrier là. Moulette, il faut qu'on discute, toi et moi. Vas-y, montre avec qui tu es là. Bien sûr, t'es avec le gamin tout à l'heure là. Non, avec le gamin. Vous avez un problème, David. Non, mais. Attends. Alors, pour revenir sur Zif, très bonne ambiance, d'autant qu'il a dit 3 fois que j'étais beau. Il a pas complètement tort, on peut pas lui enlever. Oh là là. Mais quoi, Moulette, même toi, tu le penses que je suis un peu beau? T'as le droit de le dire. Alors, tu sais quoi? Ouais, t'es beau. Mais il faut d'abord que t'éteignes la lumière et que tu mettes un sac poubelle sur la gueule. Ça va et toi? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je roule une clope, je galère un peu. Ouais, j'ai vu que t'avais raté une ou deux fois quand même. Hein. En fait, c'est une rouleuse, hein, mais je galère un peu. Nicolas, chocolatine ou pain au chocolat? Réponds à la question. Moi, chocolatine, toujours. Ah, merci, putain. Eh ben, on a déjà un point commun sur la chocolatine. On est pas mal. C'est quel âge? C'est écrit dans mon truc, je crois. Hein, moi, j'ai pas pris le temps de regarder. Moi, j'ai vu une fille jolie, je suis venu direct. Ah, d'accord. J'ai 23 ans. Ah, cool, moi 24. Tu les fais pas. C'est en bien ça, comment je dois le prendre? J'en dis plus, mais d'un côté c'est bien, mais d'un côté c'est bien. Bah, je fais mature quoi. Tu verras fonte. Rapidement Je sais pas, on verra. Moi j'ai mis ça quand. Ok. Normal, il est dans l'atmosphère. Il y a vraiment des tarés sur cette application. Salut Elvira, ça va? Ça va, merci. C'est mon premier jour sur l'appli et je vois de plus en plus des gens bizarres en cam, quoi. Rester ici, hein. tu vas délirer, hein, je te jure. Hein. Ah ben je vois ça, ouais, je vais rester un petit peu du coup. Bah dis-moi, je peux te poser 3 questions? Ouais, vas-y. Hein. Alors pour choisir ton homme parfait, sur une note de le physique, pour toi, sur une note de 1 à 10, tu attaches combien d'importance? Je dirais 7. 7, très bien. La qualité principale que tu recherches chez un homme? 100 balles. La fidélité. Très bien. Et en rapport avec la première question, sur une note de 1 à 10,
Combien me donnerais-tu? Oui, je vais être méchante. Ah merde, c'est pas grave, dis-moi. Je vais dire 5. Allez, 5. Je te fais un tour de magie qui va faire changer, qui va élever la note à 10, ok? Fais ça avec ta... Il s'est fait bloquer sur dans son écran. Ah mais putain, mais t'es con, moi je voulais voir le tour de magie. Ah non, c'est l'autre... Ah non, c'est Modo. Oh non, la chute, on a pas eu la chute. Il avait l'air. Regardez que là, j'ai la vue. Je vais vous dire ce que c'est. Vas-y. Ah, parce que ça m'énerve. Ça. Mais c'est un fléau. Non, non, non. Alors, ça, c'est tout ce que je déteste. Et vous allez être d'accord avec moi sur le live. Écoutez bien. Ça, c'est la meilleure amie moche de la bonasse. Au lycée, toutes les bonasses, elles ont une meilleure amie moche. Charlotine, ça va avec Chocolatine. Non, mais t'es archi pas son style. Mais ta gueule, toi la moche, personne te calcule. Personne te parle. Pourquoi tu viens prendre sa défense comme si t'étais quelqu'un? Il y a toujours une moche qui dit non, mais je pense pas qu'elle veuille de toi. Mais ta race! Non, mais à condition que l'autre là il me banne pas avant, tu vois, il me gère pas avant parce que moi les trois questions elles sont hyper importantes. Non, mais qui c'est qui t'a jarté? Quelqu'un t'a jarté? Non, mais il a jarté l'autre là alors que moi j'attendais le tour de magie avec impatience. Et moi aussi je voulais savoir ce que c'était, putain! Mais oui. Donc j'ai trois questions. Oui, vas-y. Première question, chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Deuxième question, fesses ou torse? Torse. Troisième question, vaginale ou sodomie? Ah, vaginal, hein. Au moins... Tu les bannes, ça n'a pas marché. Ah ben, je sais non, pas pourquoi. Au moins, on sait. On sait quoi? Bah que toi et moi, on n'aime pas ça. Et ça nous fait un deuxième point commun. Chocolatine, je suis d'accord avec toi. Torse, je suis d'accord avec toi, même si j'ai un super beau cul. Et je déteste la sodomie. À chaque fois que mon mec, il me dit, ouais, ce soir, tu prends ta part. Je lui dis non, moi, je déteste. J'aime bien être actif, mais le passif, c'est tout ce que j'aime pas. Tu es gay? Bah oui, pourquoi? Et pourquoi tu viens me draguer si t'es gay? Mais je viens pas te draguer, j'ai un mec. Maxou, il en prend plein la gueule, mais... Oh non. Oh là là. Non. Je veux pas voir ça. Détache tellement vite. Comme moi. Écris-le ton pseudo sauvage. Par contre, ramenez pas vos pères sur l'appli, les gars. Tout à l'heure, j'ai fait un petit live, vite fait, mais j'avais pas grand monde, et voilà. Nicolas, salut. Ça va? Bon, sinon, t'as qu'à faire comme si j'étais pas là, y a pas de problème. Ah non, mais c'est que je parle en même temps aux gens de mon live. Oui, mais la priorité, c'est la personne qui est en frontal avec toi. Les autres, ils ont oui, avec à venir. Tout d'un coup, tu vois. Non, mais j'ai regardé les trois dernières personnes qui sont intervenues. Deux dans le noir, forcément. Des moches. Et il y avait mon père juste avant qui. Je sais pas ce qu'il est venu faire. Il y avait ton père. Oui, le R, c'était papa, mais je sais pas pourquoi il vient. À chaque fois, il veut voir en avance les filles que je vais aller draguer. Ah, bah parce qu'il fait partie de la team sur un dalmatien et je fais partie de la team aussi. Ah, mais c'est mon père. Papa. Ouais. Tu peux lui dire que s'il te plaît, c'était toi? Ouais, c'était moi, mais là, je suis occupé, là, je reviens après. Tu vois? Ouais, donc toi, en fait, t'as pas du tout envie de me parler. Je vois bien que je te dérange. Viking. C'est ton ventre. Oh la deuxième lame. Oh la deuxième lame, elle est énorme. Oh la deuxième lame, elle est énorme. Et il est content encore. C'est pour ça que je mets pas le cœur. Attends. Et ça fait que ma mère, il savait que ma mère, elle est décédée, mais ce con, il a acheté ma mère. Ah ouais, ouais, là, c'est les sales ambiances. Là, je voulais pas le frapper, j'ai frappé dans le mur. Bah ouais, ouais, mais t'énerve pas. Pose tout de suite cette prise. J'ai peur que tu fasses une bêtise, Alexandre. Je vais faire quoi? Je vais la réparer, ma prise. Moi, j'ai un pote, il a léché l'embout de la prise, il a fini comme Claude. Pose-moi tout de suite ce transistor. Y'a rien, il est pas branché. Regarde, hein? Il est pas branché. Oui, mais je connais. Généralement, l'embout, après, tu te le fous dans le huc, tu le fous ça sur ta langue et après, ça part en décharge. Fais pas ça, Alexandre. Tu le fais, ça fait quoi? C'est qu'un physique. Je veux dire, mets pas fin à tes jours juste pour ce physique. C'est pas grave. Bah non, mais je vais pas me. Hey, mais t'inquiète pas, je le fais pas. Non, mais c'est pas grave. T'as une poitrine généreuse et c'est déjà très très bien. C'est déjà très très bien. T'éconne pas, Alexandra, s'il te plaît, pose tout de suite ce transistor. Pose-moi tout de suite. Mais non, salut papa. Tu t'es enfin décidé à te faire poser des seins? Pourquoi tu dis ça, toi? Bah, je sais pas, parce que la tête, ça va pas trop avec tes boobs, non? Ouais, mais tu tiens ton compte? Dis-moi si tu tiens, là, je le tiens fort, là. Ouais, ben, tu vas te faire exclu. Je vais me faire exclu. Oh, putain, le mec, t'es vraiment avec toi, hein. Non, mais tu vas te faire exclu pour un logo, hein. Tu vas me faire exclu pour un logo. Oh, putain, le mec. Non, mais encore pas ça. Oh, non. Et voilà. Non, mais vite. Ça va?
Lucas, Isa, putain, Lucas, tu l'as. Allô ? Qu'est-ce qui t'arrive, mademoiselle Isa ? Y a personne qui me parle, là. Comment ça va ? Alors, Julien, qu'est-ce que t'en penses ? Ok, donc là, t'as pas du tout envie de me parler ? Mais si je te parle, Nicolas ? Non, tu parles à Julien, je sais pas à qui tu parles, mais moi, je suis là pour toi. Bah, attends, oui, mais lui aussi, hein. Oui, mais lui sûr, il est pas voilà. là. Lui, il est pas. Tu vois, il montre pas son visage, sûrement parce qu'il est moche. Bon, on s'en fout qu'il soit moche. Non. C'est pas mon problème, toi, non, moi, j'ai pas pour habitude de peser des cajots, hein. Je te dis tout de suite, hein. Moi, si je viens, c'est qu'il y a une. Il y a un truc qui se passe. Il y a le goût de la mort. T'es pas d'accord ? Bah, je sais pas. Moi, t'es pas d'accord. Moi, je sais pas. Je t'écoute, hein. Non, mais parce que par rapport au goût de la... Parce que moi, j'ai toujours rêvé de me faire une personne décédée, quoi. Nécrophile. Bah, pas nécrophile, mais ou au moins quelqu'un qui ressemble à quelqu'un de décédé, quoi. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois ce que tu comme, veux dire. Et comme t'as une bonne gueule de morte, je me suis dit que peut-être... Ouais, voilà. J'ai pas pu me retenir. Bon, allez. David, qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Non.